regardez, il commence à neiger. Eh oui, Claude, nous arrivons dans les Alpes. Est-ce qu'on est encore loin, monsieur Janon? Il nous reste environ 100 km à faire. J'espère que nous arriverons avant la nuit. Madame Gouras doit nous attendre pour dîner. Ne t'inquiète pas, François, nous serons à l'heure. Ah, ce que je suis contente, c'est la première fois que nous partons tous les quatre au sport d'hiver. En tout cas, vous serez bien chez Madame Gouras. Elle est très gentille et on peut lui faire confiance. Est-ce que la ferme est grande? Non, Mick, c'est une petite maison au bout du village. Mais elle est charmante et très pittoresque. Vous resterez un peu avec nous, monsieur Janon? Hélas non, ma petite Annie, je dois repartir demain matin. Je vais dans le midi pour régler quelques affaires. Et je fais ce petit détour par les Alpes pour vous conduire et rendre service à vos parents. En tout cas, c'est drôlement gentil. Je préfère voyager en voiture plutôt qu'en train. On voit bien mieux le paysage. Regardez, c'est tout blanc maintenant. On va pouvoir faire du ski. Dago a envie de respirer l'air de la montagne. Hein, mon chien? Oh là là, j'ai hâte d'être arrivée. Oui, je sens que le Club des 5 va passer de bonnes vacances. Bonjour les enfants. Alors, vous avez bien dormi? Ah oui, Madame Gouras. On a dormi comme des loirs. Je suis en pleine forme. On va aller faire de la luge aujourd'hui. Et puis une grande promenade dans la neige. Bon. Eh bien, prenez d'abord votre petit déjeuner. Je vous ai tout préparé. Chic, il y a du miel. Et du lait frais pour mettre dans le café. Vous savez ce qui nous est arrivé hier soir en venant, Madame Gouras? Non, Claude. Monsieur Janon ne m'a rien dit. Nous nous sommes perdus pas loin d'ici. Et nous sommes tombés sur un vieux château. Le portail était fermé avec de grosses chaînes. Et il y avait un grand panneau défense d'approcher. Nous sommes quand même sortis de la voiture. Et un énorme chien s'est précipité sur la porte en grondant. Ça ne m'étonne pas. Vous savez qui habite là? Une vieille dame un peu folle. Elle vit toute seule. Et personne n'entre jamais au château. Avec un chien pareil, c'est pas étonnant. Au village, on raconte des tas de choses à propos du château. Certains prétendent qu'ils ont vu des lueurs bizarres autour de la maison, pendant la nuit. D'autres disent qu'ils ont senti la montagne trembler. Et vous y croyez, Madame Gouras? Oh, pas vraiment, mon petit François. Mais il doit bien y avoir quelque chose, quand même. Et dites donc, vous savez où est passé Dagobert? Oui, il est sorti faire un petit tour dans la cour. Si j'étais vous, je ferais attention à lui. Mon fils Johannes a 7 chiens. Ils ne sont pas commodes. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Vite, Claude, rappelle Dago. Dago, viens ici! Attention, Claude, ne t'approche pas, ils ont l'air féroces. Où est Johannes? Johannes! Allez-vous-en, sale chien, allez-vous-en! Claude, viens ici, tu vas te faire dévorer! Dick, Black, Rock, ici, au pied! Viens ici, Dago, viens là! Tu es blessé, Claude? Non, madame, mais les chiens ont mordu Dagobert. Regardez, il saigne. Oh, ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez de la teinture d'iode? Il faut que je le soigne. Oh, c'est rien du tout. Comment ça, c'est rien du tout? Vos chiens auraient pu tuer Dago et c'est tout ce que vous trouvez à dire? Allons donc. Il n'y a pas de quoi faire une histoire. Allez, Dick, Black Rock, allez en route. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Allons, Claude, calme-toi, Dago n'a presque rien. Non, je m'en vais, je ne resterai pas ici une minute de plus. Il ne faut pas en vouloir à Johannes, il est un peu brusque, mais c'est un bon garçon. Ça m'est bien égal, je veux rentrer à la maison. Allez, viens, Dago, je vais faire ma valise. Va avec elle, Annie, essaye de la calmer. D'accord, Mick. Eh bien, voilà, les vacances sont fichues. Vous n'allez pas repartir comme ça. Nous ne pouvons pas laisser Claude s'en aller seul. T'es-tu comme elle, elle ne changera pas d'avis? Attendez, j'ai peut-être une idée. Nous avons un chalet d'été un peu plus haut dans la montagne. Vous pourriez y aller vous installer. Johannes et ses chiens n'y vont jamais. Pourquoi pas? Ce serait bien d'être là-haut tous les quatre. Il y a tout ce qu'il faut dans le chalet, des provisions, de quoi chauffer. Youpi, c'est vraiment une bonne idée. Je vais en parler à Claude. Je suis sûr qu'elle sera d'accord. Regardez, il y a des provisions plein les placards. Alors Claude, tu es contente? Oui, du moment que Johannes n'est plus là avec ses sales chiens. Tu exagères, il n'est pas si méchant que ça. Il nous a aidés à monter ici avec nos affaires. Quand même François, il est plutôt bizarre. Il n'a pas desserré les dents de tout le trajet. Si on parlait d'autre chose.
Moi, je vais prendre un bain de soleil sur la terrasse. Quelle belle vue! Il y a encore plus de neige ici qu'à la ferme. Prends des couvertures, Claude, on va s'étendre dessus. Regardez! Il y a une maison sur le versant d'en face. Moi, je ne vois rien. Mais si, je le reconnais! C'est le vieux château où on est arrivé l'autre soir, quand on s'est perdu. Oui, c'est vrai, tu as raison, Mick. Bon, eh bien, moi, je n'irai pas me promener dans ce coin-là. Tiens, on a de la visite. Regardez, c'est un tout petit chien. Comme il est mignon. Viens là. Viens là, mon beau. C'est drôle, il se promène tout seul comme ça dans la neige. Attends, Claude. Il y a quelqu'un qui sort des buissons, là-bas. C'est un garçon. Non, c'est une fille. Ce qu'elle est drôle. Elle est toute ébouriffée. Mais elle n'a presque rien sur le dos. On dirait une petite sauvageonne. Tu crois qu'elle va venir ici? Ouh, 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 ouh. Bonjour. Elle ne bouge pas. Elle a l'air tout effrayée. Viens donc. On ne va pas te manger. Mais regarde ton chien. Il n'a pas peur de nous. Il est venu nous voir. Toto, Toto, viens ici. Ah, quand même, elle se décide. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? Tu ne veux pas nous dire ton nom? Moi, c'est Miette. Et mon chien, c'est Toto. Qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Mais tu n'as pas froid, tu n'as même pas de chandail. Mon papa, il est là-haut, avec les moutons, dans la grande bergerie. Ah, ton père est berger, c'est ça? Et moi, je suis en bas avec ma maman. Viens, Toto. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Ne t'en va pas. Ça y est, la voilà repartie. Elle a filé comme un lapin. Quelle drôle de petite fille. Elle doit avoir 6 ou 7 ans et elle se promène toute seule dans la montagne avec son chien. Dis donc, tu rentrais. Il commence à faire froid. Oui, moi je dîne et je vais me coucher. Oui, Claude, moi aussi, j'ai sommeil. Je sens que je vais bien dormir. Hé, François, tu dors? Oui, enfin non, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, j'ai eu l'impression que la terre tremblait. Oh, tu es fou. Et qu'est-ce qui se passe, Dago? Il a dû entendre quelque chose. Chut! Écoutez! On dirait le tonnerre. Du tonnerre? En plein hiver? Attendez, je vais voir à la fenêtre. Ça alors? Qu'est-ce qu'il y a, Claude? J'ai aperçu une lumière en face sur la montagne, comme un arc-en-ciel. Il vient de s'éteindre. Un arc-en-ciel? En pleine nuit? Mais si, si, je t'assure, François. Venez vite, dépêchez-vous. Ça alors? On dirait de la brume. C'est juste au-dessus du vieux château. Oui, tu as raison, Claude. C'est bizarre. Il y a vraiment comme un brouillard. Presque orange. C'est ça que tu as vu tout à l'heure, Claude? Non. La première fois, j'ai vu un faisceau lumineux. Il s'est déplacé dans le ciel et il s'est éteint. Vous vous rappelez? Madame Gouras nous disait qu'il se passait de drôles de choses au château. Et nous ne voulions pas la croire. La brume se dissipe, elle change de couleur. Oui, ça y est, elle est partie. Eh bien, il se passe vraiment des choses étranges là-bas. Des tremblements de terre, des lumières bizarres. Il doit y avoir une explication. Oui, et moi j'aimerais bien la découvrir. En attendant, je suis gelée. Bouh, je retourne me coucher, on verra ça demain. Oui, tu as raison, Annie. Allez, tout le monde au lit. Splendide. Il a encore neigé la nuit dernière. Allons bon, qu'est-ce qui se passe?
Va ouvrir, Claude. Il y a quelqu'un à la porte. Bonjour. Vous êtes le berger, je suppose. Oui. Bonjour. Vous n'avez pas vu ma fille, par hasard? Miette? Non, pas aujourd'hui. Elle est venue hier après-midi et puis elle a filé comme un lapin. Pourquoi? Elle a disparu? Oh, c'est pas la première fois. Elle habite avec sa mère dans la vallée, mais de temps en temps, elle s'enfuit. Et on la revoit pas pendant 2 ou 3 jours. Elle couche dehors, dans la montagne? Même en plein hiver? Moi, je sais pas. Alors, je me demande si elle a pas le cerveau un peu dérangé. Entrez donc, vous prendrez bien un bol de café? Ah oui, oui, je vous remercie. Dites, vous n'avez pas entendu des bruits étranges la nuit dernière? Et vous n'avez pas vu des lumières bizarres au-dessus du vieux château? Non. Non, j'ai rien vu. Et j'ai rien entendu non plus. Mais je sais qu'il se passe des choses là-bas. Les gens du village disent qu'il y a parfois de la fumée en pleine nuit au-dessus de la montagne. Et vous, vous n'avez jamais rien remarqué? Si. J'ai aperçu des gros camions qui entraient au château à la nuit noire. Mais personne ne sait ce qui se passe! Eh non! Et si j'étais vous, j'irais pas me promener par là. Cette montagne est méchante, si vous voyez ce que je veux dire. Et la vieille dame qui habite là, vous la connaissez? Madame Thomas? Oui! Bon, ma femme allait faire le ménage chez elle dans le temps. Mais maintenant, elle s'est barricadée dans son château et personne n'entre plus. Il paraît qu'elle est un peu folle. Oui, c'est ce qu'on dit, mais franchement, ça m'étonnerait. Bon. Allez, au revoir les enfants et merci pour le café. Au revoir. Au revoir, monsieur. À bientôt. Eh bien, moi, je pense que je vais aller faire un petit tour du côté du château. Tu as raison, Claude. Il y a un mystère là-bas. Et il faut l'éclaircir. Youpi! Le club des 5 ouvre l'enquête. Voilà, on y est. Brouh, ce château est sinistre. Regardez, il y a quelqu'un là-haut à la fenêtre. C'est une femme. Oui, elle a disparu dès qu'elle nous a vus. Elle a fermé les rideaux. Attention, voilà quelqu'un qui sort de la maison. Hé, là-bas! Qu'est-ce que vous faites là? Déguerpissez! On ne fait rien de mal, on se promène. Décampez, j'ai dit. Vous n'avez pas le droit de vous promener autour du château. C'est un terrain privé. Bon, on s'en va. Mais nous irons demander au propriétaire la permission de nous promener sur ses terres. Je suis le gardien, il n'y a que moi ici. Et je vous interdis de venir rôder par là. Venez, ce n'est pas la peine d'assister. Il va peut-être appeler son chien. Tu as raison, Annie. Allons-nous-en. C'est quand même bizarre. Il dit qu'il est seul ici. Et nous avons vu une femme à la fenêtre. Elle est peut-être prisonnière? Oui. Et pourquoi le gardien ne veut-il voir personne dans les parages? Je ne sais pas, Claude. Mais en tout cas, le mystère s'épaissit. Allez, on rentre au chalet. On reparlera de tout ça. Tiens, il y a Miette qui nous attend devant le chalet. Bonjour, Toto, tu vas bien? Où étais-tu la nuit dernière, Miette? Nous avons vu ton père, ce matin. Il te cherchait. J'ai couché dans la vieille grange. Dis donc, tu sais qui habite là-haut, dans le vieux château? Il y a beaucoup de gens, un gros chien, des hommes grands, des hommes petits. Tiens, c'est bizarre. Tu es sûre? Il n'y a pas aussi une vieille dame? Oui, il y a une vieille dame. Je l'ai vue, quand j'étais dans le jardin. Tu es rentrée dans le jardin du château? Oui, mais il faut pas le dire à personne. Comment est-ce que tu as fait pour entrer? Ça, je ne le dirai pas. Je me demande comment elle s'y est prise. Alors c'est sûr, tu as vu la vieille dame? Oui, et une fois elle m'a vue. Elle m'a jeté un papier par la fenêtre. Et alors, tu l'as ramassé? Le papier, il est dans ma poche. C'est écrit dessus, mais je ne sais pas lire.
Montre-le-nous, Miette. Nous pouvons le lire, nous. Voilà le papier. Mais il faut pas l'abîmer. Regarde vite, François. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Venez à mon secours. Je suis retenue prisonnière dans ma propre demeure, tandis qu'il se passe des choses terribles. On a enlevé mon neveu. J'ai besoin d'aide. Ça alors? Mais dites donc, c'est grave. Il faut prévenir les gendarmes. Attends, François. Il paraît que la vieille dame est un peu folle. Elle a peut-être écrit n'importe quoi. Il faudra d'abord demander conseil à quelqu'un. Si on allait voir Johannes. Johannes? Après tout, pourquoi pas? Bon, il est un peu renfrogné, mais il a la tête sur les épaules. Il pourra nous dire ce qu'il faut faire. Moi, je n'y vais pas. Je n'ai aucune envie de voir Johannes. Bon, alors je reste avec toi, Claude. Allez, Mick, on y va tout de suite. Viens avec nous, Miette. Il faut que tu rentres chez toi maintenant. À tout à l'heure. En vous attendant, on va prendre un bon bain de soleil. Voilà, Johannes. On vous a tout raconté. Et le papier, vous l'avez? Oui. Le voilà. Montrez ça. On a enlevé mon neveu. J'ai besoin d'aide. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. Ne vous occupez pas de cette histoire. Vous n'êtes que des gamins. Retournez au chalet et oubliez tout ce que vous avez vu et entendu. Et si vous rencontrez Miette, envoyez-la moi. J'ai quelque chose à lui dire. Mais il faut faire quelque chose. Prévenir la police. Je vous répète que cette histoire ne vous regarde pas. Rentrez au chalet. Et ne parlez de ça à personne. Sinon, je vous renvoie chez vos parents. Au revoir. Si je m'attendais à ça. Et il est parti avec le billet. Tu as vu comme il nous a menacés? Oui, tu sais ce que je pense? Il se passe quelque chose de louche au vieux château. Et Johannes est dans le coup. Et il est furieux que nous ayons mis le nez dans ses affaires. Eh bien, puisque c'est comme ça, le club des cinq va prendre les choses en main. Oui, il faut savoir ce qui se passe là-haut. Et délivrer Madame Thomas. Viens, Mick. Rentrons au chalet. On va prévenir les autres. Tu as raison, Mick. Il faut absolument entrer au château. Oui, Claude, mais comment? Si Miette était là, elle pourrait nous conduire. Écoutez, j'ai entendu un bruit derrière la porte. Il y a quelqu'un. Je vais voir. C'est toi, Miette? Qu'est-ce que tu fais là? Entre. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es toute pâle. C'est Johannes. Il est méchant, Johannes. Johannes, il est venu chez toi? Oui, il a crié très fort. Et c'est pour ça que tu t'es enfui? Oui, Johannes, il veut pas, il est méchant. Je crois que je comprends. Johannes est passé chez Miette après votre visite et il a dit à sa mère de ne plus la laisser sortir. Il a peur qu'elle retourne au château ou qu'elle nous y conduise. Qu'est-ce qu'il y a encore, Dago? Qui est là? Johannes Gouras! Ouvrez-moi! Vite, Miette, cache-toi sous la table avec Toto. Ouvrez-moi! Il ne faut pas le laisser entrer. Il va fouiller partout et trouver Miette. Désolé, nous ne pouvons pas vous ouvrir! Dago serait capable de vous mordre et puis il se battra encore avec vos chiens. Bon, alors si vous voyez Miette, dites-lui de rentrer chez elle. Elle s'est encore enfuie et sa mère se fait du souci. D'accord, si elle vient par ici, nous la renverrons. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, ne vous occupez plus du château. Sinon, gare à vous. Quel toupet. Il s'en va, je l'entends qui s'éloigne. Tu peux sortir, Miette, il est parti. Il est méchant, Johannes. Et Miette, elle est gentille. Elle va vous conduire au château. C'est vrai, Miette? Tu vas faire ça? Oui, il y a un gros trou. Et il descend profond. Venez, on va au gros trou. Maintenant? Mais tu es folle. Il fait nuit noire. Écoute, Miette, tu vas dormir ici et demain nous irons au château. Oui, et on ira voir la dame. D'accord. Et maintenant, il faut se coucher. Allez, tout le monde au lit. Il faut que nous soyons en forme pour demain. Chic, il va y avoir de l'aventure. Thank you.
le gros trou? Où ça, Miette? Sous la neige? Oui. Je crois qu'elle dit n'importe quoi. Ou alors c'est une magicienne. Ça fait une heure que nous marchons dans la neige, entraînant nos luges. Nous sommes complètement perdus. Mais elle a l'air de savoir exactement où elle est. Oh, ça ne sert à rien de discuter, il faut creuser. C'est vrai, tu avais raison, Miette. On dirait un vieux puits de mine abandonnée. Vous vous rappelez, il y en avait un pareil dans l'île de Carnac. Alors, on descend? Oui. Hé, Miette, attends, qu'est-ce que tu fais? Elle a sauté dans le trou avec Toto. Elle est folle. François, essaye d'éclairer le fond avec ta lampe. Ça a l'air assez profond. Je sais ce qu'on va faire. Il faut pousser les luges en travers du trou. Ça fera un point d'appui solide. On attache les cordes dessous. On les laisse pendre dans le vide. Et puis après, il n'y a plus qu'à se laisser glisser. Et Dago? Je vais l'envelopper dans mon anorak. On l'attachera au bout de la corde. Comme ça, on pourra le descendre en douceur. Bon, j'y vais le premier. Ça va, Mick? Oui, je suis déjà en bas. Envoyez-moi, Dago. Allez, mon chien, c'est à toi. Allez-y doucement. Ça y est, je l'ai. Vous pouvez remonter la corde. Non, c'est à mon tour. Hé, hey, Mick! Tiens-moi les pieds, la corde se balance! Ça y est, tu peux lâcher! Hé, hey, là-haut, vous pouvez descendre! Tu avais raison, Claude. C'est un ancien puits de mine. Il y a un tunnel qui s'en va par là. Miette, où vas-tu? La voilà partie dans le tunnel et elle n'a même pas de lampe. Bon, tout le monde est là? Alors on y va. Miette, reviens! Ne te tracasse pas, Annie. Pour l'instant, le tunnel va tout droit. S'il y a un croisement, elle nous attendra sûrement. D'après ma boussole, nous allons vers le vieux château. Nous devons être sous le jardin. Tiens, voilà Miette. C'est par là! Regardez les murs! Ce n'est plus un tunnel, c'est une cave! Oui, maintenant nous sommes sous le vieux château. Hé, venez voir par là! Je viens de découvrir un trou dans le mur de la cave. Et de l'autre côté, tu vois quelque chose? On dirait une grotte naturelle. Écoutez, qu'est-ce que c'est? Il y a de l'eau qui coule quelque part. C'est une rivière souterraine. Elle doit se jeter dans le lac qui est un peu plus bas, dans la vallée. Par là, il ne faut pas y aller. C'est plein d'hommes méchants. Ils font beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'elle raconte? Des hommes méchants. Ce sont peut-être ceux qui ont enfermé la vieille dame. Qu'est-ce qu'on fait alors? On explore la grotte? Non, d'abord il faut aller délivrer Madame Thomas. Après, on verra. Tu as raison, Claude. Allez, Miette, on continue. Il y a un escalier là-bas. C'est par là qu'on monte dans le château. Faut pas faire de bruit. Est-ce que le chien est dans la maison? Non, le gros chien, il est toujours dans le jardin. J'ouvre la porte. Où est-elle partie? Elle est allée voir où est le gardien. Vraiment, elle n'a peur de rien. Tiens, la voilà déjà. Il dort, on peut y aller. En route. Hé, François, referme la porte de la cave derrière toi. Ici, c'est la cuisine. Et l'homme, il est là-bas, derrière la porte. C'est l'homme pour garder la vieille dame. Les autres hommes, ils viennent pas ici. Conduis-nous chez la vieille dame. On est dans le vestibule. Il faut monter l'escalier? Oui, oui. Miette connaît le château comme sa poche. Je suis sûre qu'elle vient dormir là quand elle s'enfuit de chez elle. Ouf, ça y est, on est au premier. La vieille dame, elle est là-bas. Moi, j'y vais pas. J'ai peur.
à cause des gens qui nous regardent. Quels gens? Elle a peur des tableaux qui sont accrochés au mur. Il n'y a qu'une porte au bout du couloir, ça doit être celle-là. Venez. Allez, tant pis, je frappe, on verra bien. Qui est là? C'est vous, Marcel? Vous n'êtes pas aussi poli d'habitude. La clé est restée sur la porte, on peut entrer. C'est vous, Marcel? Ce n'est pourtant pas votre heure. Ce n'est pas Marcel, c'est... c'est nous, quoi. Nous sommes venus vous délivrer. Me délivrer? Mais qui êtes-vous? Vous êtes venus me délivrer? Mon Dieu, vite, vite! Il faut partir. Il faut partir avant qu'ils ne viennent. Calmez-vous, madame, je vous en prie. Vous êtes madame Thomas, n'est-ce pas? C'est Miette, la fille du berger, qui nous a conduits ici. Elle savait que vous étiez prisonnière. Miette? La fille du berger? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un piège. Qui m'a enfermée ici? Où sont ces hommes? Ah oui. Oui, je me souviens. Ils disaient qu'ils étaient des amis de Nicolas, mon neveu. Ils voulaient m'acheter le vieux château. Mais j'ai refusé de vendre. C'est ma maison de famille. Alors ils ont insisté. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis un jour, j'ai surpris une conversation. Ils disaient que dans la montagne, juste sous la maison, il y avait des gisements précieux. Un métal rare, radioactif, et qui vaut une fortune. Je me demande pourquoi je vous explique tout ça. Vous n'êtes que des enfants. Il faut bien que je me confie à quelqu'un. Alors, vous avez refusé de vendre le château? Oui. Je ne voulais pas que ces hommes s'emparent du métal radioactif. Ils voulaient le vendre à l'étranger. Mais je leur ai dit qu'ils ne l'auraient pas. Du même coup, ils ont su que j'avais entendu leur conversation. Ils m'ont enfermé dans cette chambre, et puis, comme je ne cédais pas, ils ont enlevé mon neveu. Ils l'ont pris comme otage? Hélas, oui. Ils ont commencé à extraire le métal. Je les entends bien d'ici. Je sens ma maison trembler. J'ai aperçu d'étranges choses. Mais qui êtes-vous? Où est Marcel? Nous sommes là pour vous délivrer. Nous sommes venus par un souterrain. Ils partent du château et ils débouchent dans la montagne. Hélas, je ne peux pas repartir avec vous. Je ne pourrai jamais passer par là. Et Marcel va arriver d'une minute à l'autre. Écoutez, madame, ne lui parlez surtout pas de notre visite. Nous allons prévenir la police. Ayez confiance en nous, vous serez bientôt libres. Bien, alors partez, mes enfants, et faites vite, je vous en prie. Et Mick, referme la porte à clé. Il ne faut pas que Marcel se doute que quelqu'un est venu. Quelle histoire! Quand je pense qu'il y a un gisement radioactif sous cette maison... Dites donc, c'est peut-être pas le moment de discuter. Faut aller avertir la police. Tiens, voilà Miette. L'homme en bas, il est très fâché. Il crie et il tape. Il s'est réveillé? Comment est-ce qu'on va faire pour sortir? Venez, on redescend dans le vestibule. On verra bien après. J'ai enfermé l'homme à clé. L'homme enfermait la vieille dame, alors moi je l'ai enfermé. Sans blague, tu as fait ça? Ça, c'est une bonne idée. Alors on peut passer par la cuisine. Oui, venez. Qui est là? Ouvrez-moi! Marcel! Oui? Nous sommes venus au secours de madame Thomas. Les gendarmes seront bientôt ici et je vous conseille de bien la traiter d'ici là. Et ne faites pas de mal à monsieur Nicolas, sinon vous serez condamné encore plus sévèrement. Vous êtes fous! Pourquoi voulez-vous qu'on fasse du mal à Nicolas? Si les gendarmes viennent, c'est lui qui les recevra. Comment? Mais vous voulez dire que Nicolas est libre? Alors pourquoi avez-vous raconté à madame Thomas qu'il était prisonnier? Oh, c'est monsieur Nicolas lui-même qui m'a chargé de dire ça. Il veut que sa tante vende la maison à cause d'un métal dont il a parlé. Mais moi, j'ai fait de mal à personne. J'ai toujours été bon pour la vieille dame. Il n'est pas très malin, ce Marcel. Il a tellement peur d'être puni qu'il avoue tout. Bon, c'est pas le tout, mais maintenant il faut sortir d'ici. Le mieux, c'est de repasser par la cave. Allez, en route! Au revoir, Marcel! À bientôt! Au revoir! Faites attention, les marches sont glissantes! Bon, maintenant on traverse la cave et on reprend le tunnel.
Toto, Toto, viens ici! Où est-ce qu'il est passé? Il a sauté par-dessus le mur qui est démoli. Il est allé dans la grotte des hommes méchants! Mais attends, Miette, ne va pas par là! Oh zut, elle est partie! Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais elle n'a même pas de lampe. Il faut absolument aller la chercher. Tu as raison, Claude, on y va. Mick, aide-moi à passer par-dessus le mur! Vous êtes tous là? Oui, heureusement qu'on a les lampes électriques. Regardez! Voilà la rivière qu'on entendait tout à l'heure. Il faut longer la paroi. Faites attention de ne pas glisser. La rivière s'élargit. Il y a un lac là-bas. Ça alors! Regardez! Deux radeaux attachés à la rive. Et sur la berge, il y a tout un tas de matériel. Venez voir! Ce sont des boîtes de conserve et des caisses de bière. Les camions dont parlait le berger, c'était sûrement ça qu'ils transportaient. Dis donc, Mick, à quoi servent ces gros fûts en métal? Les hommes doivent mettre le minerai dedans et les emporter sur les radeaux jusqu'au lac de la vallée. Je n'entends rien. Ils ne doivent pas travailler pour le moment. Oui, mais en attendant, on n'a toujours pas retrouvé Miette. Regardez, il y a un autre tunnel. Elle est peut-être partie par là. Il faut aller voir. Ça y est, il commence le travail! Le chantier est là-bas, au bout du tunnel! Ça ne m'étonne pas que la montagne tremble. Regardez, voilà Miette! Miette, viens ici! Tu as retrouvé Toto? Oui, il y a beaucoup de bruit! C'est les hommes méchants! On continue un peu, j'ai envie de voir le chantier! D'accord, Claude, on y va! Regardez, on y est déjà! C'est la mine! Ils creusent le sol avec des machines. Ouf, je suis bien contente que ça s'arrête. Ils allument des projecteurs partout. Il y en a un qui éclaire la voûte. On dirait qu'il passe au travers. C'est qu'il y a un trou dans la roche. Mais je comprends tout maintenant. Le faisceau de lumière qu'on a vu l'autre nuit, il venait du projecteur. Et le brouillard? La poussière de la mine doit passer par des fissures. Et ça donne une impression de brume sur la montagne. Ne vous avancez pas trop, il ne faut pas qu'on nous voie. Ça alors? Regardez là-bas dans l'ombre. Vous ne le reconnaissez pas? C'est Johannes. Vous voyez que j'avais raison, il est complice. Je crois qu'il nous a vus. Vite, filons! J'entends quelqu'un qui nous suit. Dépêchez-vous! Le voilà! Il nous rattrape! Qu'est-ce que vous faites là? Vite, venez avec moi! Nous sommes tous en danger! Cachez-vous là, derrière ces caisses! Je vous avais pourtant défendu de vous mêler de cette histoire! Les voilà, ne bougez plus! Merci, Joanne. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes de la mine sont arrivés et ils nous ont trouvés. Nicolas était avec eux. Il y a eu de la bagarre. Johannes s'est battu comme un lion. Mais les autres étaient trop nombreux. Et nous nous sommes tous retrouvés ficelés comme des saucissons. Moi, je croyais qu'on était perdus. Et puis tout d'un coup, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Johannes a réussi à s'échapper. Il avait les mains attachées derrière le dos, mais il a couru dans le tunnel et il a appelé ses chiens. Si vous aviez entendu ça, Madame Gouras, vous auriez été fière de votre fils. Alors les sept chiens de Johannes sont arrivés, ils ont attaqué les hommes de la mine, Dago était de la partie, et les hommes se sont retrouvés coincés dans un coin de la cave. Vous connaissez la suite? Nous sommes rentrés ici pour téléphoner à la police. Johannes a embarqué les hommes et Nicolas sur les radeaux, et il les a emmenés jusqu'au lac, dans la vallée. Les gendarmes ont dû les rejoindre là-bas. Maintenant, Nicolas et ses hommes sont sûrement en prison. J'espère que Johannes va bientôt rentrer. Vous vous rendez compte, Madame Gouras? Nous pensions que Johannes était complice de ces hommes. Bon, ce n'est pas grave, Ali. Il faut le connaître, mon Johannes. Il n'est pas facile. Tenez, le voilà! Alors, vous êtes remis de vos émotions? Oui, ça va mieux.
Mais il y a une chose qui me tracasse. Quoi donc? Je voudrais vous demander pardon. Nous vous avons mal jugé. Nous avons cru que vous étiez complice de Nicolas. C'est parce que vous vous êtes fâché quand on est venu vous voir et qu'on vous a parlé du château. Bien sûr que je me suis fâché. J'avais peur pour vous. Je savais que l'affaire était sérieuse. Et puis, on risquait de venir déranger vos plans. Enfin, tout ça est terminé. Les gendarmes ont délivré Madame Thomas. Elle est chez des amis qui prennent soin d'elle. Quant au métal rare, il appartient au gouvernement. C'est lui qui va l'exploiter. Tout est bien qui finit bien. Allez, il faut fêter ça. Vous prendrez bien un verre de mousseux. Moi, je bois à la santé de Johannes et de ses chiens. À la santé de Johannes. À la santé de Johannes, le meilleur des fils. À la santé de moi et de Toto. À la santé du Club des Cinq. Je le félicite pour son courage. Et bravo pour le chien d'Agobert. Il s'est bien battu, lui aussi. À la santé du Club des Cinq.